Bonjour, bienvenue aux Werktuigendagen en Oudenaarde, à l'ouest de la Flandre. Donc on fait ici une démonstration d'herbage mécanique. On voit qu'en agriculture biologique, les machineries sont fort développées, les outils deviennent de plus en plus performants et aujourd'hui, on peut partager l'expérience de l'agriculture bio avec l'agriculture conventionnelle qui sont en recherche de nouvelles stratégies contre la lutte des mauvaises herbes. Ici, on est dans un champ de haricots où on va démontrer les différentes machines. La première machine, c'est la escitrie de Treffler. Une escitrie de précision. Donc, ce qui est spécifique à cette machine-ci, c'est que chaque dent est tenu par un ressort individuel. Ça fait que la pression du dent, si soit comme ça ou si soit comme ça, ils ont la même pression et donc meilleur suivi du terre. Ça fait que le travail est beaucoup plus homogène qu'avec une herse normale. Donc sur une culture assez petite ou une culture assez faible, on va travailler à bas pression. Sur une culture qui est plus développée, on peut travailler plus agressif. Donc pour régler la pression sur les dents, ça se fait par un système hydraulique qu'on peut conduire du tracteur. La deuxième machine, c'est le Inrowider de Garfort. Et ce qui est spécifique de cette machine est qu'elle travaille aussi dans la ligne. Il y a la caméra ici qui est en haut. Il fait deux choses. Il va conduire la machine pour suivre la ligne. Et d'autre part, la caméra voit où sont les plantes, où sont les haricots. La caméra, il sait la couleur de cette plante, des haricots. Et quand il reconnaît un haricot, il dit voilà, je dois respecter cette plante et je dois travailler autour de la plante. Voilà, ça c'est l'élément qui travaille dans la ligne. Maintenant, on est sur une distance dans la ligne, par exemple, de 20 cm. Quand on a une distance entre les plans dans la ligne qui est beaucoup plus grande, on doit prendre un autre élément. Comme c'est une machine assez chère, il faut avoir une surface assez importante d'une culture spécifique pour la rentabiliser. Jusqu'à maintenant, c'est surtout en maraîchage où elle travaille. Mais on voit aussi une tendance, par exemple, dans les grandes cultures, en betterave biologique, avec de bons résultats. La troisième machine, c'est la bineuse de Monosem, une bineuse guidée par caméra. On a des différents socs qui sont disponibles sur la machine. Donc ici, on travaille avec des simples pattes à doigts, mais on a aussi d'autres socs disponibles. Je préfère plutôt des socs fixes, comme ça, qui binent jusqu'à côté de la ligne pour avoir un travail de précision. Ici, on voit la bineuse de Kongskilde. C'est une machine avec un système de guidage caméra. Et puis, les éléments, les parallélogrammes qui suivent, qui sont des parallélogrammes de nouveau assez conventionnels, avec des socs à doigts, avec des disques pour protéger la culture. Et ce qui est aussi pas mal sur cette machine-ci, c'est qu'on a après la bineuse encore une escitrie qui prend les mauvaises herbes qui sont coupées, qui les bouge encore un petit peu pour qu'elles sèchent plus facile. De nouveau une bineuse assez traditionnelle, la bineuse de Carré de France. Donc on a de nouveau la caméra qui suit la ligne, qui c'est une caméra classe. Puis la caméra, il donne le signal à l'ordinateur. Et l'ordinateur va commander le side shift. Donc ici, on a des pattes à doigts traditionnelles et les disques pour protéger la culture. Donc ici, on est sur le bineuse Robocrop de Garfort. Garfort ici, il présente un double système de guidage. Normalement, il travaille avec les caméras qui sont sur la ligne. Ce qui est spécifique pour le système caméra Garfort, celle qui reconnaît vraiment la couleur de la plante. Donc ici, en cas d'haricot, il connaît le vert foncé de cet haricot et il peut distinguer ces couleurs des autres mauvaises herbes. La caméra donne signal aux ordinateurs et l'ordinateur va conduire le système side shift qui est dans ce box ici. Mais parfois, quand la culture devient grande, c'est difficile pour distinguer les lignes et donc il y a aussi un sensor qui touche la ligne et comme ça, ça va guider le système.
Ici, il n'y a pas de roue qui porte la bineuse. C'est vraiment tout le poids de la bineuse est poussé sur les différents éléments. Et ici, avec un piston hydraulique, fait que la pression sur chaque élément est la même. Puis, ce qui est aussi assez bon, assez pratique sur cette machine-ci, que après le parallélogramme, ils ont un poutre assez long avec beaucoup de possibilités pour monter les différents éléments sur la bineuse. Après la bineuse, ils ont monté ici des doigts presse ou une herse à doigts qui travaillent dans la ligne des haricots. Ce qu'apprécie avec chez Carfort, c'est qu'ils travaillent et bien sur la partie technologique, donc tout ce qui est caméra, et qu'ils travaillent aussi bien sur l'aspect mécanique, donc la bineuse. Voici, on est sur la bineuse TKT qui a été reprise par Lemken l'année passée. De nouveau, une bineuse avec un système de guidage caméra. C'est aussi une caméra qui peut distinguer différentes couleurs, donc la couleur de la plante, la couleur des mauvaises herbes, et qui peut trouver la ligne comme ça. Une autre spécificité de cette machine, c'est qu'on peut facilement changer l'interligne pour passer d'une culture de betterave, par exemple, vers une culture de maïs. Au niveau de soc, chez STKT, on a beaucoup de choix. Donc ici, on choisit un demi-soc à gauche, un demi-soc à droite pour protéger la ligne. Ce que j'apprécie aussi à cette machine-ci, c'est qu'on a beaucoup de place pour monter de différents outils. On voit ici un système pour les doigts cresse, plutôt une brosse. Selon l'expérience de STKT, ils disent que ça c'est plus douce pour la plante qu'un doigt en caoutchouc qui pousse plus fort sur la ligne. Ce que je trouve aussi assez important, et ce qui n'était pas le cas sur les autres machines, c'est que les doigts cresse sont montés individuellement sur la machine. C'est l'impendant de la bineuse qu'on peut aussi régler ici la pression qu'on met sur les doigts. C'est la RC3 de APV, un constructeur autrichien qui ont fait un variant sur la S de précision de Treffler. Pour régler l'agressivité de la machine, donc la pression sur les dents, ça se fait par changer le champ rouge et le champ jaune de positionnement. Ça se fait par les cylindres là-bas. C'est tout nouveau, donc à ce moment-ci, on a peu d'expérience, mais en effet, je pense que ça peut être une bonne machine. Ici, on a l'RC3 de Carré, qui est une RC3 assez traditionnelle. C'est une vieille technique qui est tout à fait mécanique et qui coûte donc moins cher que les RC3 assez modernes à type Treffler, type APV, qui sont beaucoup plus précis. On peut acheter encore une telle machine. En tout cas, la RC3 traditionnelle, ça reste un bon outil pour quelqu'un qui a que des céréales, par exemple, ou plutôt des petites surfaces. On ne peut pas acheter une machine si chère que CS de précision. Et pour ces gens-là, la RC3 conventionnelle, ça reste un très bon choix. Voici la machine Aerostar Rotation de Einbock, qui est une hybride entre une RC3 et le roue rotatif qu'on connaît bien en France. Donc ce qui est typique pour cette machine-ci, c'est qu'on a une série de soleils qui sont montés un peu diagonales sur la ligne, donc dans un terre un peu battu, ça va décrocher la croûte et en même temps ça prend les petits mauvaises herbes dans la culture. Je pense que c'est une machine qui a sa place sur des fermes qui travaillent en non-labour où il y a beaucoup de résidus par terre. Comme ça tourne, les résidus passent autour de la machine. Comme conclusion, pendant la démonstration, on a vu quand même une certaine évolution dans des abattages mécaniques. D'abord, au niveau des RC3, on a vu une herse assez classique qui a évolué vers une herse de précision type Treffler, type APV. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, en des abattages mécaniques, l'RC3, c'est de nouveau un outil de base pour les abattages mécaniques. Deuxième chose, c'est que les bineuses, c'est encore toujours la bineuse assez classique, mais qui devient de plus en plus performante avec des systèmes de guidage assez performants. Le système qu'on a vu, c'était tous des caméras, mais aussi les GPS qui sont aussi importantes.